Hey. 3, 2, 1. Donc j'essaie de parler fort, j'espère vraiment que vous m'entendez. Donc j'essaie de poser la caméra comme ça. J'espère que vous me voyez bien. Donc hey, hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un big haul Shane. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous expliquer. Ça fait énormément longtemps que j'ai pas posté de vidéo, donc je vais vraiment à m'excuser. Donc là, comme vous pouvez remarquer, donc je suis dans un nouveau lieu. Ça fait deux fois que je le dis. Ouais. Bref, sans plus tarder, on va tout de suite commencer la vidéo. C'est parti. Et j'ai pas assez de place, donc je vais essayer de faire assez vite parce que c'est vraiment un très très gros haul. Donc c'est vraiment un big haul. Je me suis vraiment lâchée. Donc dans ce haul, il y a énormément d'articles, je vais vous présenter ça tout de suite. On a des accessoires, des sacs, on a des bijoux, on a des vêtements, des tops, des bas, vraiment tout. Donc généralement, tout, on va tout essayer ensemble, je vais vous donner mes avis. Déjà ça fait 2 semaines que j'ai reçu la commande, mais j'étais en examen, je révisais, donc j'ai pas pu vraiment découvrir le colis. Donc je me suis dit je vais attendre avec vous pour le découvrir ensemble. Donc vraiment ça fait hyper longtemps que j'attends. Je suis hyper contente de vous trouver cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va commencer. Du coup tout ce qui est vêtements je vous montre. Vraiment c'est énorme. Donc je voulais juste vous montrer ça pour vous montrer vraiment l'énormité des habits. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres qui n'ont pas de sachet parce que j'ai dû déballer pour bien essayer la taille. Donc à part ça, voilà. C'est que ce qui est vêtements et on va tout de suite commencer. Je vais commencer par les accessoires, donc je vais parler fort parce que voilà, comme on aime bien comme ça. Je vais dans un sachet comme ça, donc je vais piocher au hasard et je vais vous montrer. Après, on va faire les vêtements. Donc on commence. Ah, j'ai pas encore déballé, je suis trop contente. J'ai pris des sacs et tout comme je l'ai dit. Oh. Je ne savais pas que ce sac allait venir si grand que ça. J'ai pas compris, bon bref. Ah, le truc à l'intérieur. Ah, mais non. Il est magnifique, regardez. Attendez. Il est magnifique. Il fait crocodile. Il est vraiment trop beau. Sac baguette comme ça, c'est des sacs comme ça que j'aime trop. Il est vraiment magnifique, hein. Je vous le conseille vraiment. Et vous inquiétez pas, je vais essayer, je vous dis bien, je vais essayer de vous mettre les liens des articles en commentaire. Si j'ai pas la flemme, bien sûr. Du coup, je vais mettre la photo des articles à l'écran. De toute façon, je vais toujours mettre la photo des articles à l'écran. Même si je ne mets pas le lien des articles en commentaire, en description. Donc, pour ce coup, pour le coup, le sac je valide, vraiment magnifique. Trop beau, j'aime trop. Du coup, je mets là. Ensuite. Ah non. J'ai commandé une coque. Elle est magnifique. Elle a l'air vraiment magnifique. Oh non. Elle est magnifique, hein. Il y a ça à l'intérieur. Mais elle est... Attendez, je vous montre bien comme ça fait. Elle est magnifique, hein. Regardez, transparente. Comme ça, je vais beaucoup la mettre pour l'été, cette coque. Donc, voilà. J'ai un autre sac comme ça. Cet été, j'ai beaucoup craqué pour le vert. Je sais pas, le vert pastel, vert clair. Je sais pas, j'ai trop aimé ce sac-là. Il est trop beau. Donc, il y a une sorte de truc comme ça, je sais pas pourquoi. Mais non, mais vraiment, lui, il est trop beau. Regardez déjà la couleur. Non mais plus la merde, genre ils sont vraiment mauvais, donc je sais pas. Ils sont mauvais. Bref, il est vraiment trop beau. Crocodile, il brille vraiment. Mes sacs baguettes, je suis trop fan. J'aime trop les sacs comme ça. Non mais vraiment j'aime beaucoup. Trop contente. Donc vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre à l'écran et peut-être en description les liens. Voilà, mais il pue, hein, je sais pas. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de brosse. Ça, par contre, j'avais déjà déballé pour comprendre parce que car il y a ça, je ne sais pas du tout ça sert à quoi, mais en tout cas, bref, c'est les brosses pour cheveux crépus comme ça. En tout cas, à ce qui, quand je regardais les vidéos, il fait grave son table, je ne sais pas moi. Donc voilà. Tous les articles puent un peu, je ne sais pas, ça a une odeur. Des colliers. Donc ici j'ai un collier pour 2 personnes. Je pourrais pas vous déballer pour vous montrer. Ah, il s'est détaché. Donc pas grave. C'est un collier pour 2 personnes comme ça à cœur. Donc j'aime beaucoup. Et, des stickers. Donc je peux. Je vais assez faire vite parce que sinon la vidéo va durer une 20aine de minutes. Et j'ai pas envie. Surtout au montage, ça a fait. Voilà. Et j'ai pas assez de place dans mon texte. Donc vous voyez.
J'ai pris des stickers. Je pensais que je l'avais enlevé du poignet, ceux-là, mais non. Ils ont l'air trop beaux pour l'ordinateur, le téléphone. C'est magnifique. J'aurais dû prendre une coque transparente pour cela, mais pas grave. Sinon, ils sont magnifiques. Voilà. C'est toujours la qualité de chaîne qui m'étonne, donc regardez. J'ai aussi pris un collier encore avec Best Friend, comme ça, comme l'autre rose. Donc pour deux personnes, c'est vraiment magnifique. Il y a toujours un qui tombe, c'est pas incroyable quoi. J'ai pas déballé pour voir, mais j'ai pas réussi à mettre. C'est des oreilles d'elfe, voilà. Désolée pour le bruit. Donc c'est des oreilles d'elfe, comme ça. Trop magnifique, je sais pas pourquoi j'ai pris, mais je me suis dit vas-y, prends, et c'était pas cher de toute façon. J'ai pris deux paires de lunettes. Oh. Attendez, ils sont dans des trucs comme ça et c'est vraiment magnifique, regardez, vraiment trop magnifique. Comme je l'ai dit, j'ai pas déballé. Non, je suis trop contente. Attendez, à l'intérieur je pense qu'on a ça, parce que j'avais déjà commandé des lunettes sur Shein, donc je sais un peu comment attendre. Après ça dépend, parce que celui-là, voilà. Donc ils sont magnifiques pour cet été là. Et ils sont vraiment magnifiques. Regardez. Attendez, je suis pète. Regardez. Ils sont magnifiques. Regardez la qualité. La qualité, elle est ouf pour pas cher. Une deuxième paire de lunettes. Donc, comme ça, à peu près comme l'autre. Donc lui, ça fait deux fois que je le mets dans ma commande Shein. Après je l'enlève, des fois je me suis dit vas-y prends-le. J'avais oublié que j'avais pris. Donc c'est une lunette, c'est pas pharmaceutique, n'inquiétez pas, bon bien sûr. Donc c'est comme ça. Attendez, hop, voilà, vous voyez mieux. Magnifique pour cet été, même pour voilà. Magnifique, j'aime trop. Donc c'est hyper pratique, on peut vraiment mettre dans ces fourreaux. J'essaie de vous déballer, je vais vous montrer parce que ça se voit assez cela. Donc on a les boucles d'oreilles qui se mettent là comme ça sur l'eau de l'oreille, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, on a ça. On a également une chaîne qui se met comme ça avec des perles blanches et aussi un collier comme ça avec les perles toutes plates, je sais pas comment vous dire. Vous comprenez j'espère. On a aussi des bagues, donc comme ça je vais vous montrer une bague. Ça a l'air magnifique hein. C'est un plastique mais c'est hyper lourd, regardez, magnifique, trop beau. On a aussi une boîte de faux ongles. Déjà jamais mis des faux ongles, mais ceux-là ils paraissent pas mal, donc simple comme ça. Je vais tester à voir. Donc celui-là aussi vraiment bien, trop vraiment. Je le voulais celui-ci, j'avais même commandé sur un site, mais après je sais plus parler français. Il m'avait dit qu'ils n'avaient plus. Donc du coup j'ai commandé sur Shein après parce que j'ai eu l'occasion de recommander pour l'été. Donc ah non mais trop beau. Des outfits de fou. Je vais mettre les outfits ici. Qui intéressent, merci. Non mais après les poils quittent littéralement. Wesh. C'est quoi ça? C'est quel cali ça? Les poils quittent. Bref. Ça paraît cali hein, en vrai. Les sacs de Shein paraissent hyper quali, regardez. Trop magnifique. On a fini avec tout ce qui est accessoires. On va passer maintenant à tout. Là, j'essaye de vous montrer. Parce que comme ça va passer plus vite. Je vais piocher au hasard dans les vêtements et on va commencer. Donc, je prends ça. Alors, j'ai pris plein d'articles. Je n'avais pas pris auparavant. Ah ouais. Ah ouais, ah, j'attendais trop ça, short comme ça. Les shorts comme ça, là, j'en ai pas. Donc voilà. Ça a l'air magnifique, donc je vais tout de suite essayer. Donc vous inquiétez pas, donc là je vous montre. Ah ouais, il est vraiment magnifique. J'aime trop, c'est Los Angeles écrit là. Je crois, ouais. Attendez, je vais vérifier. Bon, bref, c'est pas grave. Donc ça donne ça. Vous inquiétez pas pour le haut, c'est juste pour essayer, pour vous montrer. Donc ça sera comme ça avec les autres articles. Donc j'ai pris une taille S, donc n'inquiétez pas, je vais tout mettre sur l'écran, les prix, etc. Donc voilà. J'aime bien et j'ai pris beaucoup d'articles en taille S, la plupart même tout. Donc j'espère que la plupart vont m'aller, sinon je serais grave déçue. Sinon celui-là, ça va.
voilà, en soi, c'est vrai que ça baille juste un peu les filles. Mais en soi, je pense que c'est comme ça. Enfin, voilà. Celui-ci. Donc, c'est dans un petit sachet comme ça. Il y a toujours un petit truc comme ça. Donc là, c'est un top. C'est un top comme ça. J'en avais un, mais il a déteint. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un autre. Donc, il est comme ça. Attends, je vous montre bien. Et je l'ai pris en petite S. J'ai pris en petite S parce que sur Shein, il y a des grandes tailles, il y a des tailles normales, il y a des petites. Donc j'ai pris en petite S et on va essayer ça tout de suite. Donc voilà ce qui rend, mais il est grave, grave transparent. Donc t'as un peu, il est grave transparent. Limite, j'ai mis un truc blanc en bas, mais il est vraiment transparent. Donc portez un truc noir dessus en bas. Parce que sinon, là. Mais sinon, au niveau de la taille, il est pas mal. Un peu au niveau des bretelles. Mais sinon, au niveau de la taille, une petite S, il est vraiment pas mal. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Ah ouais, parce que il y a d'autres que j'ai reçus dans une deuxième commande une semaine après. Parce que j'ai commandé 4 articles à part. Donc ça, ça a l'air vraiment magnifique. C'est un top aussi, un bandeau avec une corde ici comme ça. Donc je vais essayer tout ça et voilà. Je suis assez déçue parce que comme vous pouvez le remarquer, il est assez très grand. Regardez là, ça flotte littéralement. C'est un S que j'ai pris, j'aurais dû prendre un XS. Non, un XS, je pense que ça aurait flotté juste un minimum, mais. Voilà, mais trop grand. Je vais vite enlever et je vais passer mon au du début. Après, je vais continuer à choisir les articles. Pour l'instant, le premier il est assez transparent. Après, bon. Et le deuxième, il est vraiment trop grand et un peu trop. Voilà. C'est pas grave, on va essayer de prendre un bas maintenant. Il y a celui-ci. Celui-ci, je l'ai déjà essayé, vraiment, il est magnifique. Donc, vraiment, lui, en fait, je mettrai la photo de l'article, en tout cas, à l'écran. Vous allez remarquer aussi, je pense que vous allez remarquer comme moi que sur l'écran, ça ne donne pas pareil que sur la photo. Voilà, genre ici. Parce que, en fait, ça donne plus une matière assez coton, je sais pas comment vous dire, assez lisse. Je pensais qu'il allait avoir un truc que j'avais pas. Donc, ça, c'est un jean vraiment marron, comme ça. Gros bas, et donc, j'ai essayé pour vous montrer, voilà. J'ai pris un taille S, hein, mais regardez à la taille. Il me rend super. Je sais pas, Shein, c'est vraiment du pif quoi. Regardez vraiment comment le bas me rend vraiment super bien. Il est vraiment trop confortable ici, genre c'est parfait. J'aime beaucoup trop, hein, je m'attendais même pas à ce type de jean. Vraiment magnifique, je valide à 100% ce jean. Après celui-ci, ça je l'ai vu dès le début, je me suis dit oui. Non, je vais attendre la vidéo pour ouvrir. J'ai vu, je me suis dit, je me joue au basket. Donc du coup, regardez, il est magnifique. On dirait là, c'est grand. Hein. Mais je l'ai pris en XS quand même. Hein. Je l'ai vraiment pris en XS. Je pense que ça va aller. Donc comme je l'ai dit, il y a un miroir aussi, c'est pour ça. Je pense que ça va hein, quand même. Même avec ce jeans, ça passe littéralement, mais pas avec celui-là que je vais le mettre. Ne vous inquiétez pas. Mais je pense que même avec ce jeans, peut-être qu'il peut aller, mais peut-être, je sais pas. Je verrai, mais c'est pas un tuto comment vous habiller sur Shein. Peut-être si vous voulez ça, dites-moi parce que j'ai vraiment énormément d'habits Shein. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo tuto comment s'habiller avec Shein, n'hésitez pas, je vous la fais. Trop contente, genre, enfin un truc qui me plaît et qui est assez à ma taille. Regardez vraiment ce oversize, il est parfait. Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Regardez, genre Brooklyn, c'est vraiment magnifique. Je pense que celui-là, je vais vraiment le mettre. Dès qu'on m'invite celui-là, je le mets. Pour une occasion, il va vraiment avec le jeans marron. Peut-être que je vais le mettre ensemble. Peut-être que je vais le mettre avec autre chose, je sais pas. Vous verrez tout ça. Article suivant, c'est un gilet, une sorte de gilet. Et ça va peut-être aller avec ça. Donc je vais mettre ça dessus en même temps. J'ai jamais pris ce genre de gilet-là. Et je me suis dit, vas-y, tu vas prendre. C'est vrai que c'est assez bizarre mis comme ça, mais sinon il est pas mal et la matière bon, elle est pas mal. Peut-être mis avec un top parce que je l'ai pris spécialement pour les tops parce qu'il y a des trucs trop voyants comme le blanc par exemple. C'est bien avec aussi, c'est pas mal, mais peut-être pas avec ça, mais c'est pour les tops, c'est juste pour montrer. En tout cas il est comme ça, pour ceux qui le veulent il est vraiment bien et il tient assez chaud, pas trop mais genre juste comme ça. Il ne tient pas trop chaud aussi, la matière. Elle est pas trop. Voilà.
pour ceux qui veulent. Celui-là, c'est un truc que j'ai trop cherché sur Shein. Vous me voyez passer là en train de prendre mon temps à chercher pendant au moins 20 minutes ou là. Quand je l'ai vu, j'étais trop contente, j'avais vu en plusieurs couleurs. Après, je me suis dit, je ne voulais plus, mais je me suis dit, je l'ai cherché pendant 20 minutes, il faut que je le prenne. Il est magnifique, hein. En vrai, il est magnifique. Vert, la matière, elle est magnifique. Couleur magnifique, il n'y a juste plus qu'à l'essayer. Et vous allez voir ce que ça. Donc, vous voyez ce que ça rend. Donc ça va, il est pas mal avec des petites froufrous, en fait c'est assez mignon. Au début j'avais déjà essayé mais je ne l'aimais pas. Mais il faut savoir l'aimer, je comprends, parce que si j'ai pris, mais j'ai pas pris pour rien parce que voilà, en vrai il passe. En vrai il passe. Hein. Non il est magnifique. Je sais pas. Il va bien avec ce jeans. Mais je connais un autre qui pourra mieux aller avec. Donc, mais sinon vraiment. Il est pas mal. Hein. Et on va changer de jeans hein, parce que depuis on a le marron là, ça va. Donc il est trop beau, mais on va changer. Donc celui-là, je l'ai vu à chaque fois. Il pue sa race, genre. Il pue, c'est lui. Les amis, ouais. Je sais pas comme c'est du cuir. Et bon. On va pas trop parler dessus. Il faut que je le lave parce que. Vraiment. Je pense que je l'ai pris en petite S. En bas. Donc. Il y a une chance sur 4 pour que ça rentre. Sur 2 en vrai. Probabilité. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Mais il est déjà à ma taille. Je suis trop contente parce que je vais commencer à commander mes articles. Parce que les petites S, petites XS. Bon, XS, petites XS. Ça va vraiment rentrer. Donc, bref. Et hyper à ma taille, ça déjà c'est déjà un bon point. Mais je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Fais pas attention au bazar. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Notez aussi des articles si vous avez envie. Vraiment discutez comme vous savez dans les commentaires. Ça me fait beaucoup plaisir de lire en commentaire. Donc sinon. On dirait un parapluie. Et sinon aussi ce que je vais pas dire sur ce jean en cuir, c'est que la matière à l'intérieur elle est hyper douce. Non vraiment. À part ça, je sais pas ce que je dois en penser. Après accélérer un peu. Donc ces trois là vous avez pris ensemble. Donc celui-ci. Ah non. Mais lui, c'est sûr il a ma taille, c'est du S aussi. Donc vraiment trop magnifique. Hein. Carreau comme ça, je vais trop entrer comme ça. Il est hyper doux. Ensuite, on a celui-ci. Lui, j'espère qu'il est à ma taille. Ah non, mais c'est hyper beau comme matière. Hein. Je m'attendais pas à ça. Pas grave, je pensais que c'était hyper léger. Bon, c'est du S aussi. Magnifique. Lui, je peux le porter sans l'autre. Mais c'est magnifique. Celui-ci, c'est un truc simple. J'avais pas. J'ai pris aussi une jupe à carreaux. Comme ça, ah non. Une jupe à carreaux en S. J'espère que ça va aller et je vais essayer le tout. Bon, ça va. Donc, j'ai pas mis l'autre pour vous montrer déjà ce que ça donne. Et le truc, il tient hyper chaud. Moi, j'ai pas un truc qui tient chaud comme ça. Ouais, parce que bon, parce que c'était pas mon but qui me tienne chaud. Et c'est pour ça que j'ai sur Shein. À chaque fois, j'aime pas commander des manches longues comme ça. Pour sortir, même j'ai chaud. Moi, j'ai toujours chaud. Wesh. Bon, la jupe, donc ça va quand même. Même si c'est un. Ici, ça se voit pas, mais c'est assez grand, mais non, pas sur les bras. Les bras, c'est juste. Bref. Ensuite, on a la jupe qui est magnifique avec la petite fente ici. Pas trop serrée parce que j'ai pris S. Et bon, voilà. Et j'ai pris pour que ça aille avec ça. Mais en vrai, ça va pas avec. Je sais pas, moi. Je trouve ça trop serré dessus. Et voilà. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à la tenue complète, mais j'en ai vraiment pas avec. Les trois, je trouve que ça fait trop. Voilà, pour. Peut-être à essayer à voir à porter plusieurs fois pour aimer ce que je vous ai dit. Sur Shein ou sur un site, quand tu commandes des vêtements, faut savoir aimer. Hein. Faut savoir vraiment aimer. N'hésitez pas.
Après, peut-être ça, je vais porter sans rien en bas ou avec une chemise. Et peut-être pas avec ça, je sais pas. Je verrai peut-être avec un jeans. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi les robes. Donc, je préfère finir avec. Je voulais faire comme ça au hasard. Peut-être mieux, je finis avec les vêtements. Comme ça, après, pas enlever vu que j'ai déjà des hauts, des bas sur moi. Donc, c'est déjà mieux de porter. Et là, je vais déjà essayer. J'étais assez déçue. Je vais essayer avec vous pour voir. Parce que ça dépend. Déjà, ici. Alors que j'ai pris 4 articles dans ma deuxième commande. Et j'ai déjà les 4 articles de la deuxième commande. Et la plupart ne m'allaient pas. Bref, je vais essayer celui-là et on va voir. Je vois la fille le porter comme ça. Je sais pas, aujourd'hui j'aime bien. Puis je sais pas si c'est parce que c'est à la caméra. Oui, ça va, je commence à aimer. Mais regardez, ça tombe assez. Mais ma mère m'a dit que c'est joli comme ça. Je sais pas moi. Mais voilà, ça tombe assez quand même. Il faut une certaine corpulence. Donc, je sais pas. Je préfère attendre que ça me rende bien me porter au bout de. Ouais, mais sinon, en gros, ça donne ça. Ça va, c'est assez beau aujourd'hui. Je sais pas, aujourd'hui, j'aime bien. Mais comme ça aussi, je sais pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je vous attends. J'espère que vraiment vous allez donner votre avis. Hein. Ne me laissez pas vu, s'il vous plaît. Parce que là, j'avais déjà essayé et j'étais déçue. Je suis encore déçue parce que. ici, c'est trop grand au niveau de là. C'est trop grand sur le côté. Bon, voilà. De base, ça devait faire ça, je sais pas moi. Donnez-moi toujours votre avis, c'est assez grand. Donc, je sais pas. Je pense que je vais serrer. Ça doit être comme ça. J'aime pas trop. Voilà, le même avis qu'au début. Parce que vraiment, je suis genre. Je sais pas, dans celui-là, vraiment, j'ai aucun avis de vous depuis, je sais pas. Ah ouais, celui-là, c'est dans ma deuxième commande. Il est vraiment magnifique. Hein. Oui, il est vraiment magnifique. Je devais essayer, je vais vous montrer. La plage, même pas, mais si quand même. Regardez, avec le petit truc là, c'est magnifique. Hein. J'essaie ça. Donc, celui-là, il est magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique, regardez. Magnifique. J'aime trop pour la plage avec un short que j'ai essayé. Il est magnifique. Hein. Au mieux, il va pas avec le bas, mais c'est pas ça que je vais montrer. Donc, il donne ça. Donc, j'aime trop, il est magnifique. Hein. Je sais pas. Prenez-lui, lui seulement, vous voulez prendre un article, prenez-lui. Je sais pas. Trop trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-ci. Et la matière de lui, là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une matière un peu plus corsée, je crois. Même l'autre, le jaune, là, si vous en rappelez. Je m'attendais pas à. Maintenant, des matières un peu plus corsées. En tout cas, il est comme ça, magnifique, avec des petites fleurs. Et on va essayer ça tout de suite. Ça va, il est pas mal. Mais je le trouve assez simple. Bon, c'est pas. Ouais, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, vraiment. Et j'ai un truc à vous dire. Vous voyez là, c'est mon ordinateur portable qui charge. Ça fait 3 fois que je marche dessus. Et là, je voyais trop de gens porter ce genre de haut là. Je me suis dit, hey, prends pour voir. Prends pour voir. Parce que j'avais un, mais il était trop décolleté. Hein. C'est vrai, il était magnifique un matin, il est tous des côtés. Celui-là, il est parfait, on n'attache pas derrière. Magnifique parce que les bandanas, comme ça, au lieu de l'attacher par derrière. Et ce qui est bien, il est réglable. C'est ce que l'on recherche. Il est réglable, mais je pense pas que j'aurais besoin de le régler. À part si je veux l'agrandir après. Regardez ça. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Fais pas pour ça, mon bas. Ça va être plus avec un jeans. Voilà, magnifique. J'ai aussi 2 pyjamas. Les hauts, il y en a encore 3. Le pantalon, il y en a encore 4. Attendez. Les hauts, je pense, il y en a 4 encore. Il y en a 4. Je vais vérifier. Les hauts, je pense bien qu'il y en a 5. Parce qu'après. Si je trouve un autre haut, c'est pas ma faute, mais je pense que vraiment il y en a 5, donc il reste 5 hauts. On va tout de suite les essayer très rapide. Je sais pas si vous connaissez ces hauts là. Bon, il est pas mal. Je pense que je vais le serrer parce qu'il est assez grand. Il est assez grand un peu ici. Et là, sinon, en vrai, il est beau. En vrai, il est pas mal avec un jean, c'est jupe, même peut-être avec peut-être ce sac. Non, ça va pas du tout avec.
Je vous ai dit, je suis pas là pour faire des tutos pour vous habiller sur chaîne, mais écoutez pas. Mais si vous voulez cette vidéo, dites-moi. Je vais la faire, j'ai vraiment trop ce haut magnifique, mais il est assez grand que ce que je pensais. Mais il est assez grand que l'autre. Pourquoi je l'ai pris en XS? Il fait juste mini ma peau robe, mais comme je suis là pour vous donner des conseils, donc conseils. Si vous prenez des t-shirts oversize, je vous conseille de prendre ça en XS si vous avez un même corps plus que moi même. Prenez toujours ça une taille au-dessus de votre vraie taille. Parce que ça, sauf si vous voulez une robe, hein, si vous voulez une robe, il n'y a pas de problème. Prenez trois fois la taille au-dessus. Voilà. Ici on a un t-shirt. Lui je l'ai pris comme ça parce qu'on m'a dit prends des articles, atteins un quota. Donc je me suis dit, et vas-y, tu prends celui-ci. Tu prends genre, tu le prends. Bref, pas trop du tout. Non, rien à dire, en fait, c'est comme mes autres t-shirts parce que j'en ai plein des comme ça. Je les porte toujours avec des shorts. Peut-être avec des jeans, mais c'est rare. Hein. Des collants, mais non. Voilà. Et quand je pense des fois quand je pourrais rester à la maison, mais bon. Ça, avec un short, c'est quali. C'est bon. M'attaque l'avant-dernier top. Donc je dis, il y avait vraiment énormément d'articles, je vous ai dit. C'est toujours là, vous êtes les best, les meilleurs. Il faut que je me trouve un nom, vous, mais bon. Pour l'instant, on continue le haul. Donc ici, c'est un top comme le blanc, mais en marron. Parce qu'à un moment, le marron est à la mode. Je me suis dit, pourquoi pas en prendre un marron. Et c'est la matière, une matière assez maillot de bain. J'aime trop. Donc on va essayer ça. Toujours au bretelle, ce genre de vêtements, ça me revient gros. Je sais pas pourquoi, toujours au bretelle, toi tu m'as marqué un peu. Mais bon. Je sais pas, après, je vais laisser comme ça. Quand à vouloir me rentrer, ça va rentrer. Je pense que j'ai pris en petite S aussi. Parce que je mettrai tout à l'écran. Et voilà, j'ai bientôt plus de place. Donc j'essaie de faire rapidement. Je vous l'avais dit. Donc ça, c'est à faire des lacets un peu derrière. Donc c'est un peu comme ça. Derrière, comme ça. Donc j'essaie de le mettre. Et ça va grave avec la jupe. Mais ça fait quand même juste un peu, mais un peu serré. Parce que c'est comme si c'est des lianes qui se... Qui sont ensemble entre elles, je sais pas comment dire. On peut serrer, mais comme c'est juste pour vous montrer, donc c'est un très très beau dos. Donc je vais l'acheter aussi celui-ci, il est pas mal. Genre il est simple devant et vraiment très facile derrière, moi j'aime beaucoup. Donc laissez-moi votre avis en commentaire sur ce haut très facile. C'est drôle, je l'avais vu au début, j'étais en mode non, c'est impossible, elle va mal aller. Elle est trop grande, c'est sûr. J'avais essayé en vrai, mais. Je ne l'aimais pas au début, mais là, elle est magnifique. Hein. Comme je l'ai dit, très très été, très très haut été, big haul été. Donc c'est parfait pour l'été. Hein. Vraiment trop trop magnifique. Ça m'a vraiment la vibe ici. On va dire coucou chi. En vrai, j'aime bien. La taille, elle est parfaite. Elle est magnifique. Pile poil. On rentre tout de suite dans tout ce qui fait soirée. Mais celle-là, j'avais trop peur, donc celle-là je vais essayer parce que je lui ai dit, elle va pas me rentrer, hein. C'est sûr, parce que si elle me rentre pas, je serais trop déçue. Et j'ai pris en petite S, je suis trop contente d'avoir pris ça. Parce que si je l'avais pris en S, peut-être qu'elle allait me flotter au niveau de là. Et les bretelles sont réglables, c'est tout ce qu'on cherche. Les gens de chaîne qui regardent, là, mettez les bretelles réglables. Donc là, je vais essayer et je vous montre. Dites-moi ce que vous en pensez de cette robe. Mais regardez, en fait, regardez-moi cette qualité. Regardez, il y a une chaîne là. Je sais pas si vous allez voir. Bref, allez-y. Je l'aime trop. Elle est vraiment magnifique, la robe. La robe est vraiment magnifique. Hein. Avec un petit sac comme ça, ou le sac blanc que j'ai dessus. Voilà. C'est carré. Hein. Si vous voulez apprendre, foncez. Vous allez vraiment prendre comment prenez une petite S. La petite S est l'équivalent de la XS dans le normal. Selon moi, hein, parce que. Elle est vraiment magnifique, elle me taille tout juste. Vraiment, regardez le petit détail ici aussi là. Ça fait très très soirée cette robe. Doublure, tout ça. Très très quali. Je sais pas, j'aime beaucoup. J'ouvre le paquet. Bref. Je vois, je dis c'est quoi ça. Et je vois que c'est ma robe rétractable. Qui peut être long ou petit, c'est mieux comme ça.
genre, on peut resserrer, on peut faire petit si on veut, on peut faire long si on veut. C'est vraiment trop trop bien, je voulais trop une robe comme ça. Déjà que j'ai un top pastel comme ça et je voulais trop une robe qui peut faire ça. C'est vraiment magnifique hein. En fait je peux vraiment faire ce que tu veux, après ça dépend de ton mood. Là j'ai fait assez court, ça prend ma tâche là. Et après on peut faire long si on veut, court si on veut. On peut faire même plus long hein. Après ça dépend, chacun fait comme il veut. Mais j'aime trop une robe noire hyper magnifique, elle me rend vraiment bien. J'ai hyper trop la bête pour l'été cette robe. Je valide. Hop, suivante, on a presque fini. Je remercie parce que il y a trop d'articles hein. Vraiment. C'est un courage que j'ai pris pour faire cette vidéo. Et déjà j'ai peur qu'il n'y ait plus de place, donc il faut que j'arrête de parler. Donc c'est une robe violette comme ça, trop trop belle, pliée sur le côté. On va tester ça tout de suite. Donc je l'ai pris, je sois soit en petite S ou en S, sauf que genre c'est un peu serré, un peu pour un S. Je suis sûre que c'est une petite S, ou peut-être pas, je sais pas parce que je connais pas bien la taille. Sauf que là c'est assez grand, mais au niveau de là c'est assez voilà. Mais sinon la robe est belle, elle fait bien son taf, elle est belle, elle est vraiment très très belle. N'hésitez pas à donner votre votre avis dans les commentaires. Ce pyjama qui est vraiment trop magnifique à ma taille, très grand, tout noir, hyper léger parce que moi j'ai hyper chaud pendant la nuit, j'ai toujours chaud moi. Donc magnifique, petit chat, très très mince, très très mignon. Bah voilà. Et j'ai pris un deuxième pyjama. Du coup, j'ai jamais ouvert. Ah non. Je prends jamais de bas parce que je porte jamais. Je porte que des robes, des shorts pour dormir, tu vois. Mais je me suis dit pourquoi pas tester et il a l'air magnifique celui-ci. J'espère pouvoir dormir avec, peut-être juste pendant les soirées pyjama. Mais très très mime, hyper cookie, genre hyper cookie avec son top. Son top là, il donne froid, hein, je dirais. Moi qui dis j'ai chaud là. Mais son top, il donne froid et j'ai l'impression qu'il est assez grand sur les côtés. J'essaie ça rapidement et je vous. Je suis assez contente du bas, il est très 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 léger. À part vos trucs lourds là, lui il est vraiment très léger, je pense que je vais recommander ce genre de truc. Mais peut-être l'autre peut être lourd, mais lui il est léger, tout ça. Mais il est vraiment léger, je pense que je vais le mettre pour dormir. Bon, on va les faire rapidement bien sûr. Et le haut ça va. Nickel, un peu grand là, mais c'est pour dormir, donc voilà, ça va. Enfin, c'est pour dormir, on est bien habillé aussi. Côté là. J'ai gardé le haut du pyjama pour essayer celui-ci. Regardez, ça c'est du S. Eux ils disent que ça c'est du S. Regardez comment je peux foutre des gants comme ça. Moi je suis sûre qu'ils ont eu un problème de taille. Ça fait deux fois ma taille. Regardez tout ce qui manque. Tout ce qui manque. J'avais déjà commandé un truc en S sans faire exprès, un short, sans chain. Ça fait pas du plus. C'est vrai que ça baille un peu là. Mais c'est. Ah déçue. Je suis trop déçue parce que ce short, j'ai vu aussi dit. C'est magnifique. Pourtant, j'avais pas commandé, mais je l'ai repris dans une deuxième commande. Parce que la deuxième commande, il faut savoir que c'était des articles que j'ai vus. Je me suis dit, non, il faut que je prenne. Mais. Voilà. Ensuite, il va me rester trois robes que j'ai pas encore essayé. Et après, je pense que c'est tout. Donc, je vais essayer ça. Je sais pas si c'est calme que ça fait ça, mais à cause de la ring light, je vois plus clair, je vous promets. Parce que quand je regarde les couleurs, on dirait les couleurs changent, je vous promets. Ça fait. Je sais pas comment vous expliquer. À cause de vous, je suis trop de faire la chose. Bon, cette robe, elle est assez grande sur les côtés. J'avais déjà essayé, j'étais assez déçue. Parce que quand tu essayes une robe comme ça, alors que t'as proposé les autres articles, t'es assez déçue. Parce qu'elle est grande sur les côtés. Je te dis, les autres, ça sera comment. Bref, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une fente ici. Et c'est vraiment magnifique. Elle fait assez paysage. Donc, je trouve. Alors. Mieux comme ça derrière. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça, la robe aussi. Mais on va faire avec. Comme je dis, il faut apprendre à aimer les vêtements Shein. Bon, cette robe, c'est pas trop à ce que à quoi je m'attendais. Bon, elle est assez belle, là, comme on a dit. Mais très, très. Bon.
Peut-être quand on fait la fin des articles, toujours le début et la fin, pas assez satisfait, c'est toujours comme ça, c'est le milieu. Mais bon, à ce qu'on m'a dit, c'est quali. Donc faites votre avis dans les commentaires. Je vais venir essayer le dernier article, je suis assez fatiguée. C'est pour ça aussi. C'est trop, je sais pas si je vais essayer parce que peut-être que je vais pas arriver à la mettre. Parce que derrière, il y a trop de nœuds. Il y a trop de nœuds. Peut-être que je vais l'essayer ce soir. Quand je vais faire le montage de lui, la vidéo, vous allez voir cette robe portée en photo. Peut-être si je peux. Sinon, elle paraît magnifique. Vécu en petite S. Là, comme ça, c'est bizarre. Regardez le dos. Ah non. Le dos qu'elle donne. Elle donne un dos magnifique pour cet été. Et la matière est assez. Parce que j'avais peur, mais à l'intérieur, c'est doux. Hein. À l'intérieur, c'est doux en vrai. J'aime trop les matières qui font semblant comme s'ils sont. Ils grattent, mais à l'intérieur, ils sont doux. Sinon, elle est pas mal. Donc, vous me verrez l'essayer si je peux. Allez, coin. Et j'ai eu grave peur. Je pensais qu'il allait vraiment. Bon, si je suis comme ça, c'est parce que j'avais oublié de vous montrer. Des maillots que j'avais pris. Donc, j'ai pris celui-ci qui est vraiment très très magnifique. Pourtant celui-là j'ai pas essayé. Donc sinon j'ai déjà essayé celui-ci, il est vraiment magnifique, il paye vraiment hyper bien et c'est une pièce. Donc ça paraît bizarre comme ça, mais essayez, c'est vraiment très très beau. De toute façon je vous mettrai une photo du mannequin là, comme d'habitude, les tailles etc. Pour ceux qui ont la même morphologie que moi, que c'est parti ici. Sinon il est vraiment magnifique et il est très très quali. C'est du 160, hein. Tous les maillots que je vais prendre c'est du 160. J'ai celui-ci, si j'ai 5 maillots parce que j'ai deux réversibles plus le vert. Donc c'est celui-ci, vraiment trop trop magnifique. Regardez la couleur, il est réversible, vraiment trop trop beau. Ensuite on a le petit bas et qui me rend vraiment nickel. J'aime trop réversible comme je vous l'ai dit. Hop, comme ça. Magnifique. J'ai ensuite un troisième maillot qui est aussi réversible, un noir marbre vraiment magnifique. Hein. Je peux même réverser les couleurs comme ça. Hop, noir. Je peux porter le marbre avec le noir ou le noir avec le marbre, les deux ensemble. Vraiment magnifique. Hein. Non, j'aime trop. C'est vraiment trop trop beau. La vidéo peut continuer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, mon haul chain. Si vous voulez voir d'autres haul chain comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'avais reçu une commande à peu près été en décembre, mais j'ai pas pu vous filmer la vidéo. Enfin, si je vous ai filmé la vidéo, mais il n'y avait pas de son donc j'ai pas pu vous la publier. J'ai déjà fait le montage et tout, je mets un extrait de la vidéo si je peux. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram. Oui. Il y a aussi mon snap que je mets ici. N'hésitez pas à liker en bombe si la vidéo vous a plu. C'est comme ça que je vais savoir et que je pourrai vous faire un autre haul chain. Donc likez en bombe la vidéo et abonnez-vous. Donc depuis je tourne, je ne sais même pas que ma caméra est penchée, c'est pas grave. Donc abonnez-vous en masse, ça me fait vraiment hyper plaisir. Laissez un petit commentaire, tout ça. Et voilà, bye.